Revelio. Le livre que le professeur Weasley m'a demandé de trouver doit être dans les parages. Tu cherches le manuel du cours moyen de métamorphose ? Le professeur Weasley m'a demandé de récupérer quelque chose dans ce livre. Puis-je la voir ? Ah oui, vraiment. Je te donnerai ce livre si tu acceptes de répondre à quelques questions. Quoi ? Pour certains, les bribes de connaissances sont des futilités, mais pour moi, le savoir n'est jamais futile. J'ai donc créé un questionnaire, juste pour s'amuser, dans le but de voir si tu connais bien le monde des sorciers. J'ai demandé plusieurs fois aux autres élèves s'ils voulaient essayer, mais ils ont toujours refusé. Ils disent qu'ils ont assez de devoirs comme ça. Ah ! Ils n'accordent pas autant de valeur que moi au savoir. Je suis sûre que ça t'intéresse. Je vais commencer par les questions les plus simples. Si c'est la seule façon de te convaincre de me donner ce livre, alors allons-y. Formidable ! Je vais te poser quelques questions, puis je te donnerai ce livre. Commençons. Avant l'invention du Vif d'Or, quelle créature magique était utilisée lors d'un jeu de Quidditch ? La chrysalide dorée. Non, c'est faux. La réponse était le vivet doré. Le vivet a été utilisé pour la première fois au Quidditch en 1269 par un sorcier dénommé Barbarus Bragg. Malheureusement, l'espèce est considérée comme éteinte. Question suivante. Quelle potion est communément appelée chance liquide ? Félix Felicis. Bravo ! Puisque Félix Felicis porte temporairement chance à celui qui la boit, elle est interdite dans toutes les compétitions organisées. Quels artefacts magiques sont évoqués dans le conte des trois frères ? Les reliques de la mort. Correct. D'après Beedle le Bard, les reliques de la mort se composent de la baguette de Sureau, de la pierre de résurrection et de la cape d'invisibilité. Quelle balle de Quidditch est la plus grosse ? Le soifle. C'est exact. Lorsqu'un poursuiveur lance le soifle dans l'un des trois cercles lors d'un match de Quidditch, l'équipe reçoit 10 points. Vrai ou faux, le polynectar permet à celui qui le boit de changer d'espèce. C'est faux. Exact. Bien que le polynectar puisse être utilisé pour changer d'âge ou de sexe, il ne permet pas de changer d'espèce. Eh bien, je pense que cela a assez duré. Je vais remettre le livre sur le piédestal. Si tu souhaites de nouveau évaluer tes compétences, j'ai plein d'autres questions à te poser. Je t'ai posé suffisamment de questions faciles comme ça. Les prochaines seront plus difficiles. Ah, désolé. Je n'ai pas le temps pour le moment. Préviens-moi si tu changes d'avis. J'ai remis le livre sur le piédestal pour toi. Je devrais trouver rapidement avec Revelio. J'ai terminé les tâches du professeur Weasley. Je devrais aller en cours de métamorphose. Je t'ai vu, moi aussi.
J'ai entendu dire que le professeur Weasley avait transformé le livre qui contient les réponses en hibou pour empêcher les élèves de tricher. Je trouve qu'elle prend les buses un peu trop au pied de la lettre. C'est magnifique. Asseyez-vous, asseyez-vous. La métamorphose, comme vous m'entendez le répéter chaque année, est une science exacte qu'une vie entière ne suffit pas à maîtriser. Mais ne soyez pas découragés. En vérité, pratiquement tout peut être métamorphosé quand on perçoit le potentiel que le sujet renferme. Comme je vois en chacun de vous, des sorcières et des sorciers fabuleux tous sans exception. Ou alors... peut-être que j'ai la vue qui baisse. Bon, vous savez tous quoi faire. Excellent travail. Le cours est terminé. Et souvenez-vous, ce n'est pas le moment de relâcher vos efforts. Les buses approchent à grands pas. Vous souhaitiez discuter de mes progrès actuels pour ce trimestre, professeur ? Tout à fait. Vous semblez n'avoir aucun problème pour apprendre. Et franchement, vous excellez dans vos devoirs cette année. Merci, professeur. Les devoirs supplémentaires ont été utiles. C'est bien ce que je pensais. Il semble que vous ayez fait bon usage des possibilités offertes par votre guide du sorcier. Bien sûr, le guide n'est pas la seule mesure du succès. J'ai entendu dire que vous pouviez concocter une impressionnante potion Edurus. Cette potion peut s'avérer très utile, mais j'espère que vous n'en aurez pas besoin de si tôt. Merci, professeur. Je dois dire que je suis très impressionnée par tout ce que vous avez accompli, vu les rumeurs qui couraient sur vos activités extrascolaires. Votre longue conversation avec M. Ollivander, après avoir obtenu votre baguette, ou vos recherches dans la volière qui ont suivi, étaient-elles liées d'une façon ou d'une autre au professeur Fig ? Pas du tout. J'aime discuter avec M. Ollivander. Les baguettes me fascinent. Et je n'ai jamais visité la volière. Vous faites erreur. Je vois. J'admire votre penchant pour l'apprentissage. Mais n'oubliez pas que vos devoirs et le guide du sorcier sont là pour vous instruire efficacement. La fin de l'année va vite arriver et vous allez devoir bien vous préparer pour vos buses. Je vous donnerai une évaluation finale à ce moment-là pour m'assurer que vous êtes prêt pour vos examens. En attendant, je vous félicite. Vous pouvez partir. Si vous voulez travailler le sort que vous venez d'apprendre, n'hésitez pas. Mannequin d'entraînement. Je vois que vous avez suivi avec attention ma démonstration du sortilège de métamorphose. La Suisse. Confringo. Je me suis rendu compte de quelque chose au sujet du triptyque. Retrouve-moi au Belvédère, au nord de la forêt interdite. Classis ! Mon plan initial a échoué, mais j'ai une autre idée. Nous devrions pouvoir trouver ce qu'il nous faut dans une mine de gobelins au sud de Poutlin.